Yop tout le monde, c'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Power Wash Simulator, un jeu qui était gratuit ce mois-ci, qui est gratuit d'ailleurs ce mois-ci. N'hésitez pas à aller le chercher, et c'est bien pour ça que je me permets de le diffuser, pardon. Ah, attendez, juste 2 secondes, j'arrive. Et voilà, nous avons fait la petite vidéo TikTok pour annoncer que nous étions en live. Je disais donc que c'est un jeu qui est gratuit ce mois-ci, c'est Power Wash. Hop là.
Ouais, il va falloir être très patient sur ce jeu. Voilà, on a déjà... Ah, dis donc, c'est bien. Ah, bah, ok. Alors, voilà, ça, c'est fait. Vous pouvez aussi regarder. Hop. Alors, bien sûr, faut se remettre un peu debout. C'est un jeu qui faut, voilà, faut de la patience. Faut de la patience, voilà, tout simplement. Alors, c'est sûr, c'est pas un jeu. Ah ouais. Voilà. Hop, hop, hop. Maintenant on passe à la deuxième. Je rappelle que c'est un jeu de simulation, hein.
Papa, 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 c'est bien. C'est hyper satisfaisant. Alors, petite pause. On commence d'abord par un camion, comme vous pouvez le voir sur ces images. Mais il n'y aura pas que des camions. Il y aura plein plein de choses aussi. Il y aura des maisons, il y aura des parcs, enfin, il y aura plein de trucs, plein plein de trucs à découvrir, bien sûr. Et puis au fur et à mesure du jeu, de la carrière, on pourra débloquer pas mal de choses. Je vous laisserai en prendre soin de découvrir et vous me direz dans l'espace commentaire si ce genre de jeu vous plaît ou pas, mais en tout cas. Pam 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 pam. Alors.
Oh la vache.
C'est hyper hyper satisfaisant. Ok. Bon, notre camion. Oh, attends. Il y a bien un endroit où ça n'a pas été nettoyé. Ah bah ouais, si tu nettoies pas bien les pneus aussi.
en jeu l'hiver. Alors attends, apparemment il y a une portière x2 qui a pas été bien nettoyée. Oh la vache, ouais. Pneu. Portière fois portière laquelle? Derrière ou devant? Parce que bon. Ça doit être derrière, je pense. Ouais. Merde. Voilà, portière, c'est fait. Donc maintenant il reste enjoliveur. Mais lequel enjoliveur? Ça. Bonne question. Phare. Ah, c'est les phares. Ok, bouge pas, j'arrive. C'est les phares. Bon, ça doit pas être celui-là, je pense. Enjeu l'hiver. Alors le je vois pas lequel hein, parce que bon. Ouais. Enjeu l'hiver 3 sur 4. Ok. Bon bah on va repasser un coup sur les enjeux l'hiver hein. On va commencer par ceux de devant.
Ah bah voilà, c'était celui-là. Voilà, première mission accomplie. Nettoyage du camion. Nettoyage du camtar, vous voyez comment il était au départ, hein. Il était tout beau, tout dégueulasse, tout voilà. Et maintenant, il est devenu comme ça. On continue, hein. Alors, nouvelle mission. Nettoyer le jardin. Ah. Alors attends, déjà ça nous a pris combien de temps pour nettoyer un camion? Oh. Ouais. Ok. Donc, on a fait ça. Maintenant, on va à la mission principale. Allez. Nettoyage du jardin. Oula. Ah ouais, donc non, il y a beaucoup, beaucoup à faire là. Alors, le plus long. Pense que. Attends, si on peut, ouais. Mais... Ah oui, non, mais ça.
Ça va prendre du temps, hein. Petite voiture, c'est fait. Bon. Maintenant, panneau de commande. Ok. Mur 2. Hop. Pam pam pam. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai un salon comme ça, un jardin comme ça. Il y a tellement à nettoyer que...
Oh la vache, c'est bien. Bien, 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 bien. À la bing, cousine. L'abri, pour se poser. Allez, j'avoue que c'est bien dégueu, hein. J'avoue que c'est bien, bien dégueu. Et que il faut passer partout. Ah là, c'est autre chose que le camion, hein. Ah, c'est sûr que là, c'est autre chose que le camion d'il y a 5 minutes. Parce que là. Vous allez voir, de toute façon, Valencelle, elle est quasiment nettoyée puisque quand... Alors quasiment, pas totalement. Voilà. Alors, pas totalement. Je pense que là... Ah oui. Y a rien, on peut pas monter. Alors déjà, faut savoir viser. Ah ouais, il y a tout ça encore à nettoyer, hein.
Ouais. On n'a même pas fait une étoile encore sur sur ce qu'on doit nettoyer de base, donc bon. Ah. Y a pas, j'ai pas un... Comment voulez-vous qu'on aille nettoyer là-bas? Oh merde. Oh, mais j'ai pas de... Ok. Cadre balancelle. Mais le truc, c'est que comment tu nettoies en haut? Parce qu'il y a le toit aussi à nettoyer, mais comment tu y vas? On est sur le sol. Je dis pas. Ah, attends. Toi de balancelle. Eh, déjà. Par rapport à quand on a commencé, déjà, il a une meilleure... Alors, je vais faire une petite pause. Je reviens tout de suite, d'accord? Voilà, je suis là. On a fait que 7% du truc. Il y a encore pas mal de trucs à faire. Bon, vous savez quoi? On a fait le camion.
On a fait le camion, on finit le jardin et après on arrêtera. Par contre, on voit pas grand-chose. Alors par contre, pour viser. Je crois que c'est bon. Non. Pour ce qui est du bas, oui. Mais tu peux voir, y a pas, j'ai pas un truc. Ah si.
Okay. Alors, c'est hyper. Alors, on a essayé, et je vous le dis, hein, je vais être honnête avec vous, on a essayé de me le vendre ce jeu par un magasin de jeux vidéo dont je ne citerai pas le nom sur cette vidéo. On a essayé de me le vendre et j'aurais su. Alors c'est pas un jeu, voilà, que je jouerais quasiment tout le temps, on va dire. Mais voilà, c'est un jeu où il faut de la patience, où il faut bien réfléchir. Voilà. Bon, la balance elle est quasiment propre. Alors ça peut prendre. Ah. Ok. Hop, ça sauvegarde. Est-ce qu'on peut... Alors, ah, il y a ça aussi à nettoyer. Oula. Ah ouais, d'accord. Ok, il y a ça à nettoyer, la niche du chien. Ah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire là-dessus, hein. Il y a même là. Alors, attendez. On va commencer ici. En fait, je vais mettre pause 2 secondes pour vous expliquer le but du jeu. Le but du jeu, c'est que le but de ce jeu, déjà, c'est de nettoyer. Alors, vous avez la première mission de base, celle de nettoyer le camion, qui est un peu plus courte. J'imagine que toutes celles qu'on va avoir à faire, à quelle fréquence on va avoir ce type de vidéo, j'en sais rien. Déjà, on va faire une première vidéo, un premier G, excusez-moi du mot, mais un premier G. Voir un peu comment ça se porte sur
Un premier jet, pardon, je disais sur la chaîne pour voir un peu comment vous abordez. Hop là, attends. La porte, voilà, la porte c'est fait. Ah, c'est bien. Il faut être patient. Ah, c'est sûr que ça change des jeux habituels sur la chaîne. Mais de temps en temps. Alors, il n'est pas si nouveau que ça, ce jeu. Puisqu'il est sorti il y a 2 ans, je crois. 2 ans, 2, 3 ans. J'avais envie de vous le partager. Alors, on verra un petit peu. Oh la vache, c'est bien ça, là. Bien sale, c'est bien 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 sale. Et vous avez pas vu sur le côté encore, hein. Vous avez pas vu les côtés encore, hein. Alors déjà quand vous regardez, quand vous prenez de l'arrière comme ça, déjà le devant. Et à peu près propre. Alors là, il y a encore un peu nettoyé, je pense. Ah, il y a même la tondeuse, vous voyez là. Alors.
Bah, on a commencé. Ouais, encore tout ça, hein, vous pouvez le voir. Encore tout ça à nettoyer. Hein. On n'a pas fini, je pense que. La tondeuse, c'est fait. Est-ce qu'on peut ramener le petit tabouret, s'il vous plaît? J'ai besoin du petit tabouret là. Moi perso, hein, je vous le dis, hein, personnellement, j'ai un jardin comme ça avec autant de crasse à nettoyer, je hurle la mort, hein. Vous savez, n'y a pas de petit, il n'y a pas de petit ou grand jeu en fait. C'est une chaîne qui est quand même assez ouverte, on va dire, en termes de jeu, puisque je vous offre un petit peu tout et rien. Et puis, franchement, c'est... Voilà, c'est pas anodin, hein, ce jeu-là. Vous avez pas encore... Oh la vache!
Alors, ça peut paraître anodin pour certains, se dire, ouais, nettoyer des trucs comme ça peut être long, ça peut prendre un... Ça peut être long, ça peut vite saouler. Mais moi, je trouve ça hyper satisfaisant. Alors après, il y a un jeu aussi que je voudrais acheter, c'est Police Simulator. En gros, faut savoir que pour les nouveaux, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, faut savoir que moi, j'aime tout ce qui est jeu de simulation, tout ce qui est jeu d'histoire. C'est la base de la chaîne. Et ce jeu-là, justement, faisait partie de mes jeux, entre guillemets, que j'aurais voulu avoir avant la fin de l'année. Et d'autres jeux aussi qui vont arriver, comme Police Simulator et un jeu de tondeuse où il va falloir tondre. Où il va falloir tondre, pardon. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que ça m'a l'air plutôt propre de ce côté pour l'instant. Ça m'a l'air pas de tâche plus que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors peut-être s'occuper du toit. On va essayer de s'occuper du toit, si on peut. Mais non, mais... Le problème, c'est que j'ai foutu le banc là-bas et que j'arrive pas à le resserrer. Mais...
Alors, on a fait que 17% du nettoyage. Donc, prenez bien, installez-vous bien et prenez bien ce qu'il faut parce qu'on en a encore pour un petit moment. C'est juste excellent. Parce que vous voyez l'état de... Attends, on va descendre. Du coup. Alors pourquoi on n'a pas... Attends. J'ai poussé. Ici. Voilà.
C'est hyper. Bon, le toit, normalement, je comprends pas là. Ouais. Ah, bien dégueu. Tellement satisfaisant. Barbecue. Jardinier suspendu. Fondation de cabine, elle est propre à 99%. Allez. On va s'occuper de ça là-bas.
Ah ouais, il y a vraiment, vraiment tout à nettoyer dans le jardin. Il y a vraiment, vraiment tout. Je vous l'ai dit, on n'est qu'à 23% de nettoyer. Donc, Eh ben, putain, on n'est pas arrivé, hein. S'il faut nettoyer tous les sols et tout le patatras, on n'est pas arrivé, mes pauvres enfants.
Il y a même la table à nettoyer. Alors ça va être intéressant parce que là, je vais voir ceux qui vont dire ouais, non, en fait, c'est pas un jeu extraordinaire, on se fait chier, il n'y a pas de... Bah, c'est juste que ceux qui se font chier, c'est juste ceux qui n'ont pas de patience. Un peu... à nettoyer hein. Alors le jardin hein. J'avais dit que ça allait prendre un moment donc je pense qu'on va rester un moment là. Et dites-vous qu'il y a encore tout le sol à nettoyer, hein. Regardez la différence entre ce que je suis en train de faire. Alors, j'espère que par contre pour le sol, on va avoir un truc parce que sinon demain on est encore là, hein. Ah, il y a même le parasol à nettoyer. Ouais. Ouais, quand vous voulez nettoyer un jardin, ben... Je sais pas. Vous savez ce qu'on va faire? Je sais pas si on peut, mais on va s'arrêter là pour la première partie de ce nettoyage de jardin. Et puis on relancera un live parce qu'il est 14h et ça fait quand même déjà plus de 1 heure qu'on est ensemble. Donc partie 1, donc camion plus début de jardin, et on se retrouve très vite pour la suite de ce nettoyage de jardin.